إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطحاوي في المشكل ورواه الإمام البيهقي وغيرهما dans le hadith que rapporte l'imam al-Tahawi dans le Mushkil, al-Bayhaqi, al-Nasa'i, ibn Abi Khaythama et d'autres savants du hadith, d'après l'imam al-Zuhri, d'après Muhammad ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, d'après son père. Il a été rapporté aussi, toujours par ses savants, d'après Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abi Layla, d'après Al-Hakam ibn Utayba, d'après Miqsam, d'après Abdullah ibn Abbas. Il est rapporté également par l'imam Abdul Razak, d'après l'imam Malik, d'après Abi Bakr, d'après Abdullah ibn Umar. Rapporté aussi par beaucoup d'autres compagnons comme Abi Huraira radiallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه ملك. Le prophète صلى الله عليه وسلم un jour a reçu l'ange. فخيره بين أن يكون عبد النبي. Il lui a proposé deux choix entre être un prophète, un messager, عبد serviteur, ou un messager roi. فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا رسولا. Et puis le prophète صلى الله عليه وآله وسلم a choisi عبد, un prophète serviteur, et non un prophète roi. Ce hadith nous inspire, ce hadith nous enseigne que dans la vision islamique, le royaume, être roi, ce système-là n'est pas dans l'esprit de l'islam, n'est pas dans l'essence de l'islam. وقد جاءت الأحاديث. Et les hadiths notoires sont venus dans ce sens-là. Parmi ces hadiths, ce que l'imam Abu Dawood al-Tayyar ici nous rapporte d'après Dawood al-Wasiti, d'après Habib ibn Salim, سمعت النعمان ibn Bashir. J'ai entendu النعمان ibn Bashir dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, rapporté également par l'imam al-Tahawi, par l'imam al-Tabarani fil awsat wal-kabir, par l'imam al-Bayhaqi, d'après Qais, d'après son père, d'après son grand-père, d'après Abi Ubaida ibn al-Jarrah, d'après Mu'ad ibn Jabal, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'après Abi Tha'labat al-Khushani et d'autres compagnons, tous nous rapportent d'après le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qal, que dans ce hadith le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous donner les cinq étapes de l'islam, de l'existence de l'islam. Il nous a dit que Allah Ta'ala m'a envoyé et que cette étape c'est l'étape de la prophétie. ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا. Puis Allah Ta'ala va élever la prophétie, va reprendre la prophétie, après, par l'amour de Nabi, la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. Puis il y aura après moi une khilafa, une gouvernance légitime, sur les traces, dans la voie de la prophétie. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. Puis Allah Ta'ala va élever cette gouvernance légitime, légale, qui suit les traces de Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ثم تكون ملكا عاضا. Et puis il y aura un mulk, un royaume, il y aura des rois. Et dans ce système politique, Nabi sallallahu alayhi wa sallam le décrit, ou bien ce système politique, Nabi sallallahu alayhi wa sallam le décrit en disant un système qui mord, c'est-à-dire que c'est une métaphore qui indique, qui signifie l'injustice. Il y aura de la dictature dans cette époque. Et puis, ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle
thumma yakun umara. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la prophétie, puis la gouvernance des compagnons, puis ce pouvoir qui mord. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des Omara, les chefs. Omara, précisément dans les hadiths, ce sont les chefs de guerre. C'est-à-dire, si on veut, ou bien après on essaie de préciser un petit peu cela. Donc au premier temps, après la gouvernance islamique, il y aura des grands rois. Il y aura des empereurs, si on peut dire. Mais après, il y aura des princes ou des chefs de guerre, toujours chacun tue l'autre et de cette façon. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit et qu'après, cette gouvernance, cette da'wah, cet islam va revenir sur, à la première, ou bien revenir à la tradition des gens d'avant, des gens d'avant, c'est-à-dire les compagnons et la gouvernance qui suit les traces de la prophétie. Le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous dit tout simplement que le premier khayr, c'est la prophétie. Le deuxième khayr, c'est la gouvernance des compagnons. Et puis le char commence par la troisième, à partir de la troisième étape. J'ai fait le hadith alladhi rawahu l'imam Abu Daoud wa ghayruhu, dans le hadith qu'Abu Daoud et d'autres. D'après Saïd ibn Jumhan, d'après Safina, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Umm Salama, anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a qal, satakounu ou tabqa al-khilafa, la khilafa, la gouvernance légitime, celle des compagnons, restera après moi 30 années. Thumma tasiru mulka, puis elle se transforme en mulk. Aujourd'hui, pendant les 30 ans, on a des gouverneurs, des califes. Et puis, après les 30 ans, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des rois. Il nous parle de la succession du pouvoir. Il nous parle de l'héritage du pouvoir. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Safina, lorsqu'il a rapporté ce hadith-là, il l'a rapporté dans un contexte particulier. Lorsqu'il parlait du régime de Bani Umayya. Lorsqu'il dit, ils ont menti les ennemis d'Allah Ta'ala, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la gouvernance légitime ne restera que 30 ans et après il n'y aura que des rois. Et puis le prophète dans les premiers hadiths nous dit, dans leur période, dans leur époque, on se retrouve vers un pouvoir qui mord, un pouvoir de dictature. Mais malheureusement, nous, on n'a pas appris des paroles de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est ça ce qui est malheureux. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu, si le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous a dit les choses clairement, d'habitude le Nabi nous parle d'une manière générale, il nous a parlé de ce qui se passera après lui, mais cette fois-ci le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne des dates, cette fois-ci le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne des signes pour reconnaître. Mais je pense que la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam réellement ne se trouve pas, ou bien n'oriente pas malheureusement les musulmans aujourd'hui la bonne orientation, ou bien n'oriente pas du tout les musulmans tout simplement. Pourquoi? Car aujourd'hui même, si on dit on suit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais dans les cas les plus importants, dans les cas les plus fondamentaux, on ne suit pas un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On le suit dans la manière de prier, etc. Mais là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il insiste, c'est un hadith qui est quand même notoire, rapporté par plusieurs compagnons. Si le prophète insiste et répète, tout simplement, cela veut dire que la situation est grave et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire d'avertir sa Ummah. Mais malheureusement, on n'a pas pris ça en compte. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris la première fois que les Omayyades vont prendre le pouvoir et que la gouvernance de l'Khilafa se transformera en gouvernance des rois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était est devenu triste. Dans le hadith que rapporte l'imam al-Fasawi, Abu Ya'la et d'autres, d'après l'Ala ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après Abu Huraira, c'est un hadith qui est authentique selon les conditions de l'Bukhari. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a vu, il dit « ma balu », il dit dans le sens « pourquoi je vois les Banu Umayya, les enfants de Umayya, yanzoun, ils sautent sur mon mimbar
ou bien se jette sur minbar comme les singes font. قال أبو هريرة فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم استجمع ضاحكا إلى أن قبض. Et depuis, on n'a plus revu le Nabi صلى الله عليه وآله وسلم et son sourire. Depuis que le Nabi صلى الله عليه وسلم a été informé par Allah Ta'ala que Banu Umayya vont prendre le pouvoir, le Nabi صلى الله عليه وسلم, son état est devenu, bien, a changé radicalement. Le prophète, de souriant, qu'on voyait toujours un sourire sur lui, et depuis ce jour-là, il a, ou bien son sourire est parti jusqu'à sa mort. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à cet état, moi je pense que la situation est très grave. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui, ou bien depuis des siècles et des siècles, on n'a pas pris en considération les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et je pense que c'est ça le problème de la Ummah aujourd'hui. Lorsque Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Siddiq a appris ou bien a entendu ce que Marwan ibn al-Hakam disait, ou bien a dit, il lui a dit « Kadabt, tu as menti, bal ala sunnati hiraqla ». Marwan ibn al-Hakam, le jour où Muawiyah ibn Abi Sufyan a voulu imposer ou bien a appelé précisément, a appelé les musulmans à prêter serment d'allégeance à son fils Yazid ibn Muawiyah, Marwan ibn al-Hakam, il a dit selon la sunnah de Abi Bakr et Omar. Et là, Abdurrahman, le fils de Abi Bakr Sadiq, il lui a dit par Allah, tu as menti, c'est la sunnah de Hiraql, c'est la sunnah des anciens rois. Car Abu Bakr a été désigné, Omar a été désigné. Même si vous pensez que Omar ibn Khattab a été désigné que par Abu Bakr al-Siddiq, mais il y a une erreur grave. Mais même si on suppose, pour qu'on ne rentre pas dans ce débat aujourd'hui, même si on suppose, Abu Bakr al-Siddiq n'a pas désigné son fils, ou son cousin, ou son frère. Il a désigné quelqu'un qui mérite, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda. L'imam ibn Abi Hatim, dont le tafsir nous rapporte d'après Atiyya, d'après Abdullah ibn Omar. Lorsque on a appelé au début de prêter serment d'allégeance, il leur a dit « Wa ma yushaqiq al-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ». Il leur a récité le verset dans lequel Allah Ta'ala dit dans le sens « Celui qui se détourne, bien celui qui désobéit à son messager ». Après avoir vu ou bien vu la vérité ou bien le dans ce sens-là. Et donc, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu et an abih, il leur récite ce verset pour leur dire qu'on est dans la désobéissance de Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. On a d'un côté un Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui choisit être un serviteur prophète et non un roi prophète. De l'autre côté, on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui prévient la Ummah. De l'autre côté, on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est triste lorsqu'il a appris que Bani Umayya vont transformer le pouvoir ou bien la gouvernance légitime en gouvernance des rois et de dictature, wal'iyadu billah. Et nous, aujourd'hui, on reste indifférent, comme yani, la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune importance. Et je pense que c'est ça le sujet fondamental, et on n'a pas compris cette valeur. Car si on revient toujours avec les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a expliqué que la question, ce n'est pas Banu Umayya ou l'origine de Banu Umayya. On n'est pas en train de parler de Banu Umayya. On est en train de parler de ce changement radical dans la gouvernance islamique, dans le système islamique que les compagnons ont pris de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le changement de cet héritage. C'est ça la question, la problématique que Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait aborder, et non la question des origines ou la peau, la couleur ou je ne sais pas autre chose. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit? C'est un hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, min tariqi Shu'ba, an Abi Tayyah, an Abi Amr, an Abi Hurayra radiyallahu an. Il est rapporté également par l'imam Nasa'i, Abi Ya'la et d'autres
d'après Shu'bah, d'après Shimak ibn Harb, d'après Malik ibn Zalim, d'après Abi Huraira, anna an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: halak ummati ala yadi ughaynimatin min Quraysh. Des enfants de Quraysh vont causer la perte de ma umma. Essayez de prendre avec moi cette parole qui est authentique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de déterminer la cause, de déterminer, de détecter la maladie. Il nous dit, ya Ummah, ô musulmans, des enfants de Quraysh vont causer la perte de la Ummah. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, est-ce que la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam vaut quelque chose ou pas? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec révélation ou bien il parle de sa tête et sa philosophie? Le Nabi nous dit, la perte de la Ummah sera causée par des enfants de Quraysh. Est-ce qu'un jour on s'est interrogé? Il y a des gens qui se sont interrogés, mais est-ce que la Ummah s'est interrogée et elle s'est dit, aujourd'hui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avertit et il nous dit que la Ummah va aller dans l'échec, à l'échec à cause d'un groupe de jeunes de Bani Umayya. Donc la question, la situation est grave. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on cherche ces individus pour voir, pour se préserver ou bien prendre des mesures. On n'a jamais fait ce travail. Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, toujours, il nous dit, dans le hadith que rapporte Ibn Abi Hazim, Sulayman Ibn Bilal, et d'autres, il y a un hadith qui se trouve chez Al-Musnad de Abi Al-Mawsili et d'autres. Il nous rapporte, ces deux et d'autres, il nous rapporte d'après Al-Ala ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après Abi Huraira. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, ida balaga banu Umayyata. Lorsque les Bani Umayya atteignent les 30 individus, ou bien un groupe de 30 individus, c'est une métaphore, c'est-à-dire un groupe imposant, un groupe qui pèse lourd, un groupe influent. Lorsqu'ils atteignent ce nombre-là ou ce groupe-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ittakhadu din Allahi dakhala wa ibadallahi khawala wa malallahi dwala » Ils vont faire trois choses. Ils vont mettre des choses dans notre dîn. C'est-à-dire, ils font rentrer dans le dîn des choses, comme il dit Ibn al-Athir et d'autres. Et l'argent d'Allah, les biens d'Allah, c'est-à-dire les biens qui doivent revenir aux musulmans et à ceux qui méritent, les citoyens, et bien ils vont les prendre. Ils vont faire des serviteurs d'Allah, des humains comme eux, ils vont faire d'eux des esclaves, al-khawal, des servants. Et c'est ça la dictature. C'est ainsi que la dictature se manifeste. Maintenant, si on prend cette parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous dire, voilà la perte de la Ummah. C'est dans trois choses. La perte de sa religion, la perte de ses biens, la perte de son honneur. Et on ne s'est pas réveillé. Quand on prend les textes et les sources islamiques, on n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour découvrir le nombre de textes inventés dans les sources ou bien dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent, ce sont des textes qui sont authentifiés. On ne parle même pas aujourd'hui des textes qui sont déjà considérés ou jugés comme mensongers, c'est les savants du hadith. On est en train de parler des hadiths qu'on considère authentiques. Un hadith que vous connaissez, et il est notoire, c'est le hadith de Hajjat al-Wada'. Lorsque le prophète a fait son pèlerinage, le prophète a fait un discours, il s'est prononcé, il s'est adressé aux musulmans. Et ce discours est célèbre, je ne suis pas ici pour vous rappeler ce que le prophète sallam a dit, les bonnes paroles qui résument l'islam, les paroles de protéger pour, ou bien le prophète, comment il a sacralisé le sang, l'honneur, les droits, etc., les différents conseils. Et donc c'est un hadith qui est notoire, rapporté d'après Abi Bakra, d'après Abi Mas'ud al-Ansari, bref, il est notoire dans n'importe quel recueil du hadith, vous allez trouver plusieurs chaînes de transmission sur ce hadith. Et
quand on prend le même hadith, le même discours qui a été prononcé par la même personne, par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais sauf cette fois-ci, il est rapporté par les transmetteurs considérés chez beaucoup de monde comme des savants, mais sauf qu'il vient de Sham, le même hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va parler d'autre chose. Il va pas nous parler de ses conseils précieux. Il va pas nous parler de la bonté de l'islam. Il va nous dire tout simplement aux musulmans, isma'u wa ati'u, obéissez à vos gouverneurs. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, par d'autres authentifiés. Je ne connais pas quelqu'un qui a affaibli ce hadith-là. Et il est rapporté un hadith qui est connu de Muawiyah ibn Salih, d'après Abi Yahya Sulaym ibn Amir, d'après Abi Umam al-Bahili, il est considéré chez la majorité comme sahih ou hassan. Donc, la chose qui m'interpelle, c'est que à chaque fois, je trouve un texte rapporté par les musulmans dans les différentes régions islamiques, il n'y a aucun problème. Mais à chaque fois, un hadith vient ou bien un hadith est rapporté par un transmetteur qui vient du QG de Bani Umayya, du régime de Bani Umayya, ça me parle d'autre chose. Et c'est ça la question qu'on n'a pas encore saisie. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ils vont rentrer des choses dans votre dîn. Et nous, on a tourné la page et on passe toute la journée en train, comment on prie comme ça? Sunnah, al-bid'ah. Est-ce que c'est halal ou c'est AVS ou je ne sais pas. C'est ça le problème chez la Oumma. Ce qui est fondamental, on l'a mis de côté. Prenez avec moi un autre exemple. Un hadith que rapporte l'imam Muslim et d'autres, le hadith célèbre de Qasim ibn Mukhaymira de Shura, d'après Shuraih ibn Hani. Shuraih ibn Hani, un jour, il est parti voir Aisha radiallahu ta'ala anha wa arda, il lui pose une question sur l'essuyage, al-mas'al al-khuf, pour faire ses ablutions. Elle lui dit, alayka bi Ali. Va voir Ali, celui qui fréquentait et qui voyageait régulièrement et souvent avec le Nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc il est parti voir Ali ibn Abi Talib sans aucun problème. Il lui a posé la question, il a répondu, voilà que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit pour le voyageur 3 jours et 3 nuits et pour le non-voyageur 1 jour et 1 nuit, le hadith qui est célèbre. Et bien on prend le même hadith, le même texte, sauf cette fois-ci, on change les transmetteurs et on met les transmetteurs de Sham. On met le transmetteur de Sham. Yani Muhammad al-Himsi, d'après Abi Bakr ibn Abi Maryam, bref, les transmetteurs de Sham. Ils vont nous dire que Ubay ibn Ka'b est parti voir Aisha. Il lui a dit, tu n'as pas vu ce que Ali fait? Ou bien ce que Ali a dit, tu n'as pas entendu? Il a dit que je fais Al-Mesh, même sur Tessakhin. Tessakhin, ce sont des chaussettes épaisses, dans ce sens comme ça. Tessakhin vient du mot, il y en a pour faire, qui font chaud. Tu n'as pas entendu ce que Ali a dit? Je fais l'essuyage même sur Tessakhin. Ali a dit, va voir ce Ali. Mais comme dit une expression de tahakkum, va voir ce Ali et dis-lui, est-ce qu'il connaît déjà ce que le prophète faisait après la descente de l'Maïda? Est-ce que lui, il connaît ce que le prophète faisait après la descente de l'Maïda? Là, on est face à un hadith qui nous dit, ah, Ali fréquentait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait ça tout simplement. Mais il y a une éloge ici, qu'il connaissait, il y a une éloge, qu'il fréquentait, qu'il voyageait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme les différents compagnons. Mais on ne voulait pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le même hadith, sauf qu'il est rapporté par des gens de Sham, on a été voir Aïcha, elle nous dit, Ali, qu'est-ce qu'il connaît de notre religion, Ali ibn Abi Talib? Prenez avec moi un autre hadith qui se trouve dans l'authentique. Un hadith qui est notoire, dans lequel Nabi Sassam dit, la tazalu ta'ifa min ummati, il y aura toujours une ta'ifa, une partie de ma communauté qui prend la responsabilité. C'est un hadith qui est notoire, il est rapporté pratiquement par plus de 20 compagnons, qui se trouve dans tous les recueils du hadith. Mais quand on prend, bizarrement, quand on prend la chaîne de transmission de Sham qui se trouve dans l'authentique de l'Bukhari, elle va nous dire tout simplement, le Walid ibn Muslim, d'après Ibn Jabir, le Walid ibn Muslim d'après Ibn Jabir, bref, la chaîne, après elle nous dit,
Et on a demandé à Bilal, Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal nous a dit, Hum Bisham, que cette ta'ifa, ce groupe, cette partie élevée qui prendra la responsabilité, vient de Sham. Et après, j'ouvre l'authentique de Muslim, je trouve l'histoire, le fameux hadith qui nous parle sur les cinq conseils précieux dans l'époque que Allah Ta'ala a ordonné, a recommandé à Zakaria ou bien Yahya de transmettre à sa communauté. Il nous dit dans l'époque de Isa alayhi salatu wassalam, donc ces conseils parlent de l'adoration, de l'unification, de prier, de la bienfaisance, de l'khayr. C'est un hadith qui est dans Muslim. Et donc, c'est un hadith qui est dans Muslim d'après Imam Tour al-Dimashqi, Abu Salam, d'après Harith, Al-Harith al-Ash'ari. Et puis, c'est les descendants de Imam Tour al-Dimashqi qui le rapportent. Et donc, il nous parle des conseils que Yahya a donnés à sa communauté. Il leur a parlé de la bienfaisance ou bien de l'unification, de l'khayr, des adorations, etc. Et puis, à la fin du hadith, le prophète, maintenant, va s'adresser à sa umma. Il va leur dire, et moi, je donne aussi cinq conseils à ma umma. Donc, nous, on va attendre avec impatience les conseils de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Regardez les conseils de Yahya pour une communauté qui ne va pas rester longtemps dans une religion qui ne va pas rester éternellement. C'est un prophète qui a été envoyé à un peuple précis, dans un petit village ou une petite région. Là, donc, Nabi, il va parler à l'univers. Il va dire les conseils précieux en or de l'islam. Il va nous dire, obéissez au gouverneur, celui qui se sort ou contre un gouverneur, se révolte contre un gouverneur, il meurt une mort de l'jahiliya, yani il est kafir ou comme kafir, etc. Et on commence. Moi, j'aimerais bien, je ne suis pas en train de parler des chaînes de transmission, je ne sais pas, je suis en train de vous dire, voilà, on a toujours des hadiths qui sont rapportés par la Ummah, il n'y a aucun problème, et puis les mêmes hadiths qui se trouvent dans nos sources, qui sont authentiques selon nous, et les mêmes hadiths, mais quand ils sont rapportés par les gens de Sham, il n'y a aucun rapport avec ce que la Ummah rapporte. Maintenant, et je pense qu'il faut qu'on se pose la question, je ne suis pas en train de dire un transmetteur est faible pour que quelqu'un vienne me contredire et vienne me dire, eh bien non, en fait, il est à juger bon par ou fiable par quelqu'un d'autre. Là, je suis en train de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous faites face à ces hadiths-là. À chaque fois, je ne sais pas, apparemment, il y a des logiciels aujourd'hui qui se sont transformés en chouyour, référence de chouyour et des prédicateurs. Aujourd'hui, quand on veut chercher un hadith, on va chez ces logiciels ou je ne sais pas. Donc apparemment il y a ces logiciels. Bon, quand je leur dis, je vous dis aussi, voilà, vous allez dans ces logiciels, je ne sais même pas comment ça marche ce truc là, mais vous allez dans les logiciels, mettez le mot Hacham, je vous facilite le travail, mettez le mot Hacham, et donc je pense que d'après ce que les gens me disent, que ça donne les chaînes de transmission. Prenez les chaînes de transmission et cherchez la nationalité de chaque transmetteur et vous allez trouver que des gens de Sham. À chaque fois vous trouvez le mot Sham, peut-être enlevez un ou deux hadiths, mais pour d'autres raisons, on parlait de l'Quds, on ne parlait pas de Sham, c'est-à-dire le QG de Bani Umayya. Donc prenez n'importe quel hadith. À chaque fois, on vous dit que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né, il y a une lumière qui a éclairé ce soi-disant Sham. C'est un mensonge, il n'y a que les Shamiens qui l'ont rapporté. Ça n'existe pas, le prophète, quand il est né, comme tout le monde. Allah Ta'ala l'a élevé comme a élevé les prophètes et les messagers plus tard. Et donc, à chaque fois que vous trouvez le mot Hacham, cherchez dans la chaîne de transmission, vous trouvez des gens de Sham. À chaque fois que vous trouvez obéissez au gouverneur, etc., dans ce sens-là, cherchez, vous allez trouver que vient des gens de Sham. Sauf que le hadith de l'obéissance était propagé un peu partout, mais il revient au final quand on fait les analyses aux gens de Hacham. Il faut qu'on se pose des questions, car jusqu'aujourd'hui, même quand on vous enseigne la croyance, il y a une bonne partie de la croyance, dit la croyance, une bonne partie qui se réfère à ce soi-disant hadith
à ce hadith de Sham qui ont été authentifiés, mais en vérité, ils n'existent que dans Sham. Même d'autres disciplines, malheureusement, ont été influencées. Par exemple, dans certains courants musulmans respectés, connus, on parle de l'Qutb, de l'Abdal, etc. Mais ce sont des termes qui n'ont existé, qui n'ont été inventés que par les gens de Sham pour dire, voilà, nous, Sham, c'est une terre bénie, il y a l'Abdal, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Badal, c'est le Cheikh, l'Arif, le connaisseur d'Allah Ta'ala, qui a un statut, etc. Et puis, qui est une référence dans la spiritualité. Bref, et puis, donc, ils viennent de Sham, donc, vous attaquez, si vous attaquez à Sham, là, vous avez affaire à, au Abdal, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, cela, etc. On vous rapporte les hadiths. Quand on fait tout ça, ça revient de Sham. La conclusion, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à la Ummah, ya Ummah, ya Ummah, il faut que tu te réveilles, ya Ummah, ya, c'est les gens de Bani Umayya qui vont falsifier votre dîne, réveille-toi, ya Ummah. Oh, ya musulmans, réveillez-vous. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'étudier le fiqh, ou bien on est en train d'étudier certains chaînes de transmission pour devenir un cheikh de cheikh de hadith, ou bien d'autres qui sont en train d'étudier les règles de récitation pour maîtriser les dix, pour avoir les dix ijazettes, ou je ne sais pas. Alors que ce qui est fondamental, on l'a mis de côté. C'est ça le problème aujourd'hui. Je pense qu'il faut que remettre les choses dans l'ordre. En conclusion, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a averti sa ummah. Et que la question ne concerne pas la famille de Banu Umayya. Si on parle de Banu Umayya, c'est quoi Banu Umayya? En fait, Banu Umayya sont les cousins de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens de Quraysh. Hashim, le grand-père ou l'arrière-grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avait un frère qui s'appelle Abdu Shams. Et Abdu Shams avait beaucoup d'enfants. Il avait Umayya al-Akbar, Umayya al-Asghar, et il avait Habib, beaucoup d'enfants. Parmi ces enfants-là, un enfant qui s'appelle Umayya al-Akbar. Umayya al-Akbar, le fils de Abd al-Shams. Et donc Umayya a eu beaucoup d'enfants. Il a eu Harb, il a eu Zakwan, Abu Amr, il a eu Abu al-As, il a eu beaucoup d'enfants. Et donc, parmi ses enfants, Harb. Et le fils de Harb, Abu Sufyan. Le fils, par exemple, de Abu al-As, le frère de Harb, c'est Affan, c'est le père de Uthman ibn Affan. Le père de Uthman ibn Affan. Le fils de Dakwan, ou le c'est Abu Mu'ayt. Et le petit-fils, c'est Uqba. Et l'arrière-petit-fils, c'est le Walid, celui qui a embrassé l'islam plus tard, après l'ouverture de Mecca, juste pour avoir une idée. Et les hadiths qui parlent de Bani Umayya parlent généralement sur les fils de Al-Hakam. Alors, quand dans le hadith de Ali ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après son grand-père, d'après son père, d'après Abi Hurayra, le Nabi Sassam, il dit Waladu Al-Hakam. Al-Hakam ibn Abi al-As. Al-Hakam ibn Abi al-As. Donc on est dans une dans cette branche de Bani Umayya. Donc dans certains hadiths, le Nabi nous parle de Quraysh. Il nous précise encore plus, il nous dit Banu Umayya. Il nous précise encore plus, il nous dit Banu al-Hakam. Banu al-Hakam, ceux qui avaient la haine contre Ahl al-Bayt. Un jour, comme il rapporte l'imam Abu Ya'la al-Mawsili, d'après l'Hammad, d'après Ata, d'après Abi Yahya, Ata ibn Sa'ib, d'après Abi Yahya, que Marwan ibn al-Hakam a dit à al-Hassan ou al-Hussein, « Antum ahlu baytin, vous êtes une famille maudite. Mal'unoun, antum, Ahlu Bayt, Mal'unoun ou Mal'unin, qui là, on peut dire les deux façons. Vous êtes une famille maudite. Il dit, Marwan ibn al-Hakam, le fils de l'Hakam, il dit ça à Al-Hassan ou Al-Hussein. Al-Hassan ou Al-Hussein, les petits-fils de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, votre famille. La famille de Al-Hassan ou Al-Hussein, c'est qui? Fatima et Ali.
Et Fatima, c'est qui? Celui qui touche à Fatima, il m'a touché. Et celui qui me touche, il touche Allah Ta'ala. Et il leur dit, mal'oulou. Et là, le Hassan, il lui dit, par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a maudit ton père pendant que tu étais pas encore né. Dans une version, pendant que tu étais encore petit. Et c'est vrai, les hadiths sont notoires qui démontrent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit Al-Hakam et sa descendance, sauf le pieux parmi eux. Que, au principe, les fils de l'Hassan, de l'Hakam, les descendants de l'Hakam, c'est eux qui vont faire du mal à l'islam et aux musulmans. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Comme il rapportait l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'après Abi Umam ibn Sahl ibn Hunayf, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, il le rapporte aussi Abdul Razzaq, d'après Sofiane ibn Uyayna, d'après Ismail ibn Abi Khalid, d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, que le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a maudit al-Hakam et ses descendants. Il le rapporte l'imam al-Nasa'i ibn Abi Hatim et d'autres, d'après Al-Bahi, d'après Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abdurrahman ibn Abi Bakr, Sha'bi le rapporté d'après Ibn Zubayr, pour préciser. D'après Abdurrahman ibn Abi Bakr, le Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, d'après Aisha radiallahu anha. Il le rapporté aussi Al-Bukhari, d'après Youssef ibn Mahak. Youssef ibn Mahak, d'après Abdurrahman ibn Abi Bakr, d'après Aisha. Sauf que le Bukhari a retiré l'expression, la formule qui concerne la malédiction, car ce n'était pas dans le chapitre. C'est ce que le Bukhari faisait souvent dans son authentique. À chaque fois, il prenait juste un passage qui correspond à son chapitre. C'est ce que les savants du hadith généralement font. C'est pour ça que je conseille à chaque fois celui qui veut connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il revient aux sources, car le Bukhari, le Muslim, etc., ce sont des livres du fiqh, plus précisément, ce sont des livres du fiqh. C'est pour ça que parfois on prenait juste des passages. Muslim, quand même, il est plus détaillé et se rapproche plus des recueils de hadith que le livre de l'imam al-Bukhari radiallahu anhu. Donc, ce sont des hadiths notoires dans lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam maudit al-Hakam et ses descendants. Mais pour quelle raison? En vérité, il y avait une vraie haine dans les cœurs de l'Hakam et ses descendants. Hind bint Khadija nous rapporte, Abdurrahman ibn Abi Bakr nous rapporte, Atta al-Khurasani nous rapporte, Az-Zuhri nous rapporte, tous nous rapportent pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit al-Hakam et ses descendants. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths que j'ai cités, nous explique pourquoi, en général. Et là, il nous donne la chose qui a, comment dire, le début. Donc, ses compagnons et ses tabi'in nous racontent tout simplement que Al-Hakam, un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il regarde, il trouve Al-Hakam sur le mur en train de revoir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme chez lui. Qala fa kalaha fi wajhi. Kalah, c'est-à-dire, il m'a regardé méchamment. De manière méchante, méchante. Il m'a regardé. Kalaha fi wajhi. Et c'est là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua contre lui. C'est pour ça qu'il a vécu toute sa vie moitié paralysé, si on peut dire. Kalaha fi wajhi. Toujours ces mêmes transmetteurs nous rapportent que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marchait, il marchait derrière lui pour se moquer de lui. Il nous rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, il s'assoyait derrière lui, il faisait des gestes pour se moquer du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a expulsé de Medina, il l'a envoyé à Thaqif, c'est-à-dire dans la région de Taif, dans un peu le sud-est de Mecca. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à Medina. Donc il l'a envoyé là-bas. Il l'a expulsé. Et donc ces hadiths, où les hadiths nous montrent de la gravité, de la menace de ce régime-là. Ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande la malédiction pour le Hakam et ses descendants. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne sait même pas la cause et la question. Ya Rasulallah, pourquoi tu t'es pris la tête pour nous dire toutes ces choses? En vérité, Ya Rasulallah, ça ne nous intéresse pas. C'est ça ce qu'on est en train de faire. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Ya Rasulallah, tu as perdu ton temps.
Ya Rasulallah, on a des choses plus importantes de ce que tu dis. Ya Rasulallah, aujourd'hui, moi je préfère enseigner aux gens que l'impureté, que un habit qui porte de l'impureté, on ne peut pas le porter pendant la prière. Et que cette impureté, il faut qu'elle soit équivalente au dirham de Barl. Ya Rasulallah, c'est ça qui m'intéresse. Et ce Barl était un juif qui vivait dans une région. Non, en fait, Ya Rasulallah, il y a un avis qui dit que Barl, c'est le mulet qu'on connaît. Ya Rasulallah, en fait, c'est quelqu'un qui dit Barl, c'est le dinar qui se trouvait en Irak dans l'époque perse. Ya Rasulallah, en fait, non, c'était dans le nord de l'Afghanistan. Ya Rasulallah, en fait, il y a un avis. Et donc, on passe toute notre vie à parler de ces choses qui n'ont aucun rapport avec l'islam. Mais Ya Rasulallah, ta parole, ça ne nous intéresse pas. Tu as perdu ton temps avec nous, les musulmans, Ya Rasulallah. Pas tous, mais avec beaucoup de monde, beaucoup de musulmans. Et les musulmans, pourquoi ils ne sont pas à la hauteur de l'islam? C'est à cause de nous, les prédicateurs ou les chouurks, etc., qui, connaissant les textes, les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ils avaient d'autres choses à faire, d'autres choses à aborder, plus important que ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait pendant toute sa vie. C'est ça notre problème aujourd'hui. L'imam ابن أبي خيثمة البيهقي طبراني et d'autres nous rapportent d'après Abdullah ibn Nujayy, d'après son père, d'après Abi Ishaq Shabi'i, d'après Hani ibn Hani. Bref, les chaînes de transmission notoires. Tous nous rapportent d'après Ali ibn Abi Talib qu'un jour il est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Rasulullah sallam était en train de pleurer. Si ça vous intéresse, si ça m'intéresse, il était en train de pleurer. Faqultu ya Rasulallah, pourquoi pleures-tu? Est-ce que quelqu'un qui t'a fait du mal, t'a parlé mal, ya Rasulallah, j'aimerais bien savoir. Qala na'am, Jibril venait de sortir de chez moi. وقد أتاني, il était venu me voir pour m'informer que mon fils Al-Hussein, c'est-à-dire mon petit-fils Al-Hussein, sera assassiné après toi, après moi, il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit, si tu veux, Ya Rasulallah, je te montre même la terre sur laquelle sera assassiné. قال فقبض لي قبضة. Il m'a pris, il a pris une poignée de cette terre et il me l'a fait sentir. قال فأشمك هذه التربة. Il a dit, si tu veux, je te rapproche ta porte, une poignée de terre pour la sentir. Et c'est pour ça que je pleure. Et là, Ali ibn Abi Talib n'était pas loin de Karbala, du fleuve de Furat. Et il a dit, Ya Aba Abdullah, Ya Aba Abdullah, il a pleuré. Il était triste, Ali ibn Abi Talib, et puis il nous a raconté ce hadith que Ali a vécu avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le Nabi nous parle de l'assassinat de l'Hussein. L'Hussein qui a été assassiné ce jour-là, le jour de Ashura. Le jour de Ashura. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer. Et je préfère pas et je veux pas vous rapporter les dizaines de hadiths authentiques qui ne parlent que de l'assassinat de Al-Hussein. Car ça va, personnellement, je parle de moi, ça va me faire mal plus qu'autre chose. Ça va m'attrister plus qu'autre chose. Car au final, je vais pas changer grand chose. Donc aujourd'hui, si on est présent, aujourd'hui si on est assis, si on est réunis ici, c'est juste pour parler de ce jour-là qui a fait pleurer An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parler de ce jour-là qui est considéré comme un symbole dans l'histoire islamique,
Car ce jour-là, on n'est pas en train de parler juste d'un organe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est ainsi que le prophète l'a appelé, Hussein. C'est pas que juste pour ça on est là, mais on est là aussi pour nous rappeler les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur la perte de la Ummah et sa cause. Qu'en vérité, Al-Hussein fait partie de cet échec de la Ummah. Le hadith de Yazid ibn Murtad d'après Mu'adh ibn Jabal, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna al-kitab wa sultan saif tariqan » que le pouvoir et le livre d'Allah vont se séparer, en vérité, Al-Hussein n'était qu'un symbole. N'était qu'une preuve parmi les preuves, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait « Je vous ai laissé le livre d'Allah et mes descendants. » Il nous disait « Le livre d'Allah » va quitter le pouvoir. Le livre d'Allah et le pouvoir vont se séparer. Et donc ce livre d'Allah sera porté par qui? Par mes descendants au premier temps. C'est-à-dire lorsque vous êtes confronté à cette situation, lorsque vous êtes face à cette situation, vous devez, dans ce moment, choisir mes descendants. Car c'est eux qui porteront ce jour-là, qui vont porter ce jour-là le livre d'Allah Ta'ala. Alors que ce jour-là, lorsque les Banu Umayyah, les Umayyads sont apparus, on a choisi les Banu Umayyah tout simplement, on a laissé le livre d'Allah Ta'ala et la préservation des sources islamiques, on les a laissés avec Ahlul Bayt. Et donc les Banu Umayyah ont assassiné les Ahlul Bayt. Banu Umayyah ont assassiné l'honneur des musulmans. Banu Umayyah ont falsifié nos sources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux jurer par Allah Ta'ala et on se retrouvera le jugement dernier et vous dites à Allah Ta'ala, Ya Allah, voilà ce qu'il disait ce jour-là, le jour de Ashura, autrefois dans cette mosquée. Que par Allah Ta'ala, nos sources ne sont pas beaucoup fiables à cause de ça. Et à cause de nous, et on mérite. Car Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, voilà ce que vous devez suivre après moi, le livre et mes descendants. Voilà le livre et le pouvoir vont se séparer. Et donc, en ce moment-là, vous devez choisir le livre d'Allah Ta'ala, donc qui veut dire choisir les descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi le régime de Bani Umayyah, donc le livre d'Allah Ta'ala, la compréhension du livre d'Allah Ta'ala, et rester avec Ahlul Bayt. Mais Ahlul Bayt, la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants, vont être expulsés, torturés, rejetés, assassinés par Banu Umayyah. Donc on s'est retrouvé avec Banu Umayyah qui gère les sources islamiques. Je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, l'imam Al-Hassan ibn Ali Al-Halwani, d'après son cheikh l'imam Shafi'i radiallahu anhu, d'après son oncle, il nous rapporte que Sulayman ibn Bilal un jour était rentré chez Abd al-Malik ibn Marwan, le fils de Marwan ibn al-Hakam. Il est rentré chez lui, il dit « Man tawalla, man alladhi tawalla kibara ?» C'est un verset qui parlait de Ubay et de Abdullah ibn Ubay l'hypocrite. Oh, Kibra. Il lui dit, Abdullah ibn Ubay, qala kadhabt. Le roi dit à Sulayman ibn Bilal, le savant musulman, tu as menti, ce n'est pas Abdullah ibn Ubay l'hypocrite. C'est Ali. Qala, c'est Ali. Comme tu veux, Yéchir, ya au gouverneur, comme tu veux. C'est Ali. Ali l'hypocrite, Ali. Et puis rentre l'imam Zuhri chez Abd al-Malik ibn Marwan. Et lui pose la question. Man alladhi tawalla kibrahu yawm minhum. Qala Abdullah ibn Ubay. Tu as menti, c'est Ali. Et là, il lui dit, ist, dans le sens que le malheur sur toi. Wallahi, même le mensonge, si le mensonge était halal, je n'aurais pas menti. Un tel m'a rapporté d'un tel, il a dit, Al-Urwa m'a rapporté d'après Aïcha, et puis il commence à lui sortir les chaînes de transmission, que un Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a dit Abdullah, ou bien que Aïcha a dit, disait Abdullah. Il disait, Urwa m'a rapporté, Saïd ibn Musayyib m'a rapporté, tous d'après Aïcha radiallahu anha, que
ce personnage dans le verset là, c'est Abdullah ibn Ubay. Là, c'est juste un exemple parmi beaucoup d'exemples. Ce qu'on a pu détecter, ce qu'on n'a pas pu détecter, c'est encore pire. On n'a pas le temps, malheureusement, de rester un bon moment dans ça et vous donner des exemples et démontrer que beaucoup de nos sources ne sont pas fiables aujourd'hui. Car autrefois, on a choisi le camp de Bani Umayya et on a délaissé le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a choisi ceux qui vont détruire l'islam. Nabi nous a dit ça. Mais on a dit, « Ya Rasulallah, ça ne nous intéresse pas ta part. Nous, on va rester avec ce dirham de Berl. Est-ce que de l'Afghanistan, ou c'est un âne, ou c'est une bête, ou je ne sais pas. Nous, on préfère rester avec ça. Laisse-nous, Ya Rasulallah, avec Bani Umayya. Laisse-nous avec la falsification de din. Laisse-nous, Ya Rasulallah, on est bien, on ne veut pas autre chose. » C'est ça ce qu'on est en train de faire. Wal-iyyadu billahi ta'ala. Donc, on a assassiné Ahl al-Bayt. Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc savait qu'on allait assassiner Al-Hussein alayhi salam. Il savait. Il nous l'a dit. Il était triste. Il a pleuré. Mais nous, on est restés indifférents. Ça ne nous intéresse pas, Ya Rasulallah, ce que tu dis. Si tu es triste, si tu as le cœur brisé, ça ne nous intéresse pas, Ya Rasulallah. Nous, on a nos affaires, on a nos occupations personnelles. Ça nous suffit. C'est ça ce qu'on dit. C'est ça ce que nos actes disent. C'est ça, à chaque fois, on fait un prêche. En vérité, le thème du frère, le message de ce prêche-là, en vérité, c'est ce que je suis en train de dire. Car on a négligé les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, à chaque moment, on s'éloigne de plus en plus de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Tabari nous rapporte l'imam Tabarani, Al-Bazar, etc. Tous nous rapportent un peu l'histoire de l'Hussein. Par exemple, l'imam Yabi Ishaq Sabi'i nous rapporte d'après l'Ayraz ibn Hurayth, Ammar al-Duhni d'après Abu Ja'far, Abu Awana d'après Abdurrahman ibn Hussein al-Kufi. Bref, différentes chaînes de transmission nous rapportent l'histoire que lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan, je vous donne juste un résumé, sinon cette histoire n'est pas inconnue aux musulmans, que le jour, bien quand Muawiyah ibn Abi Sufyan a trouvé la mort, bien avant qu'il trouve la mort, il a laissé un testament. Il a dit un testament à son fils, que tu dois prendre garde, tu dois faire attention à quelques personnes. Il y a des personnes qui vont nuire à ton pouvoir. Parmi ces personnes-là, c'est Al-Hussein. C'est Al-Hussein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Yazid, lorsqu'il a été désigné, lorsque son père est mort, donc automatiquement, on a pris le serment d'allégeance pour lui. On l'a imposé aux musulmans. Et donc, quand il est mort, il a envoyé l'ordre. Bien, quand Muawiyah est mort, Yazid a envoyé l'ordre à son gouverneur, son préfet, à Médine, d'imposer à Hussein de prêter serment d'allégeance. C'était l'Walid, Uqba ibn al-Walid ibn Abdullah ibn Ziyad ibn Abi, qui était le gouverneur à cette époque, ou bien le préfet de Al-Madina. Et là, Al-Hussein lui a dit, donne-moi un moment, je vais aller à Mecca, je vais réfléchir, donne-moi un moment. Donc il est sorti à Mecca. Et quand il est arrivé à Mecca, il a donc croisé les pèlerins qui venaient un peu de partout. Il y avait les pèlerins de l'Irak, précisément de l'Koufa. L'Koufa autrefois, aujourd'hui c'est qu'un petit village, mais autrefois c'était la région la plus fréquentée, la plus importante en Irak, avant l'existence de Bagdad, etc. Et donc, on lui a proposé de venir à la ville de Koufa et il y a une armée qui l'attend. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son cousin. Il a envoyé son cousin pour s'assurer, voir et de prendre l'engagement et le serment d'allégeance de cette armée. Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, le cousin de Al-Hussein. Et donc il est parti, et lui, il a attendu. Entre-temps, lorsque
le cousin arrive à la ville de Koufa. Et il commence les gens de venir autour de lui. On dirait, on estimait qu'il y avait 12 000 soldats qui composaient cette armée. Nu'man ibn Bashir était le gouverneur de Koufa, ou le préfet de Koufa, le compagnon Nu'man ibn Bashir. Il a appris ça, mais il ne voulait pas intervenir, car quand même c'est un compagnon. Et donc, suite à l'indifférence de Nu'man ibn Bashir, Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan va le remplacer par Ibn Ziyad, qui était le gouverneur de Basra dans le sud de l'Irak, le sud-est de l'Irak. Donc il va le remplacer. Et cet homme-là, il va assassiner tous ceux qui s'opposent. Généralement, personne ne va s'opposer ce jour-là. Généralement, seul musulman, Ibn Aqil ibn Abi Talib, qui va être assassiné. Et ceux qui ont invité Al-Hussein, ceux qui ont donné, qui ont prêté serment, soi-disant serment d'allégeance à Al-Hussein, tout simplement vont changer, changer de position. Maintenant, ils sont pour le régime de Bani Umayya. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de la perte, de la prison, etc. Et puis, entre-temps, Hussein est sorti de Mecca. Avant qu'il sorte de Mecca, il est parti voir Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar pour un conseil ou bien pour leur dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » comme il rapporte Ibrahim ibn Maysara d'après Taouz, d'après Ibn Abbas, que Hussein était venu le voir pour lui dire « Assalam » et aussi Sha'bi Amir ibn Shurahil nous rapporte, et d'après lui Ishaq Ismail ibn Abdullah rapporte que Hussein était voir Abdullah ibn Omar qui était dans une terre à lui, en train de cultiver, de travailler la terre. Il lui a dit, voilà, je vais sortir. Et là, Abdullah ibn Omar, c'est là où il va rapporter le hadith de Nabi Sassam à Hussein. Il lui dit, ya Hussein, rappelle-toi ce que le prophète Sassam a dit. Ya Hussein, le prophète Sassam lui a proposé le pouvoir, yani être un prophète serviteur ou un prophète roi, et il a choisi un prophète serviteur. Ya Hussein, anta bud'a min, tu es un organe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une partie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc fais comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et reste un serviteur comme un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ne va pas chercher le pouvoir. Al-Hussein ne cherchait pas le pouvoir. Abdullah ibn Omar voulait conseiller, c'était un conseil, un très bon conseil. Abdullah ibn Omar, peut-être selon lui, Hussein n'a pas réuni les conditions pour faire ce genre d'opposition, etc. C'était un avis à lui. Donc, mais Al-Hussein savait qu'on est face à une dictature et il n'ignorait pas certainement les hadiths que je connais moi ou bien n'importe qui les connaît. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré ça, il a insisté, il a quitté Mecca en direction du nord vers Al-Kufa pour rejoindre cette armée de 12 000 soldats qui est aujourd'hui là, qui est ce jour-là, contre Al-Hussein et n'est pas pour Al-Hussein. Donc, Ibn Ziyad a envoyé Omar, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, le grand compagnon, son fils a trahi l'islam, son fils a trahi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va être, désigné par Ibn Ziyad pour tuer Al-Hussein. Au final, on tue Al-Hussein. Qui a tué Al-Hussein? Comment il s'appelle? Combien de personnes? Etc. Je pense que ça, c'est une perte de temps. Si on est dans un cours vraiment d'histoire, etc., peut-être on se permet d'aborder ce genre de détails. Mais aujourd'hui, au final, on a tué Al-Hussein et des membres de la famille de Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et généralement n'étaient que des enfants et les enfants de Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, c'est-à-dire la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis les femmes survivantes, comme il dit Ibn Hibban dans Al-Thiqat, on les a envoyées sur Al-Aqtab non voilées, c'est-à-dire on leur a retiré les voiles, et on a envoyé les petites filles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam découvertes devant tout le monde. On arrive dans le QG de Ibn Ziyad, bien sûr, elles n'ont pas été envoyées seules, mais avec les têtes de ses victimes, les têtes des enfants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On arrive, donc on commence à mutiler, à jouer avec la tête de Al-Hussein. Après, on envoie ces têtes-là à Damas, c'est-à-dire de l'Irak, on va les envoyer à Damas. On arrive à Damas, et puis Yazid, comme il rapporte, comme c'est notoire, il va prendre un bâton, il commence à
frapper ou bien faire mettre des coups sur les dents, les lèvres et la bouche de Al-Hussein. Et c'est de cette façon que l'histoire se termine et puis on tourne la page. Les gens de Al-Kufa ont pris conscience quelques années plus tard, car l'année, on est dans l'année 61. C'est cette année, dans cette année, on a assassiné Al-Hussein. C'était un jour de Ashura. Et puis, ils se sont réveillés plus tard. Et l'année 65, ils sont sortis avec leur célèbre parole, Ya Tharat al-Hussein, c'est-à-dire pour venger Al-Hussein. Et sur leur tête, il y avait le compagnon Sulaiman ibn Surad. Ils étaient des gens pieux. Ils se sont révoltés, mais cette révolution n'a pas duré longtemps. Et puis, on a vu plusieurs révolutions des gens pour venger le sang de Hussein alayhi assalatu salam, mais finalement ça n'a rien donné. Donc en conclusion, c'est l'histoire en bref de Al-Hussein. Mais la question aujourd'hui qui se pose, est-ce que Ashura doit être un jour de fête ou un jour de deuil? Car le problème, c'est que Ashura, c'est le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi assalatu salam. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a appris depuis toujours, que Ashura, c'est le jour de l'assassinat de Hussein, mais Ashura, c'est en même temps, c'est le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il est interdit de jeûner le jour de Ashura. Mais en fait, il n'est pas interdit. En fait, il est recommandé. Et théoriquement, on est censé manger et boire le jour de fête. Car Allah a sauvé Moussa alayhi salatu salam. Ce que l'imam al-Muslim nous rapporte d'après Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim Makki, d'après Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, d'après Ka'b ibn Malik. Et d'après Nubaysha al-Hudhali, les deux hadiths, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait par exemple de Ayyam Tashriq, le jour de l'Eid, il nous dit Ayyam akl wa shurb. C'est les jours pour manger, boire, être heureux, acheter des cadeaux, etc. C'est ça ce qu'on a appris dans notre dîn, que les jours de l'Eid, il est interdit de jeûner. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam, est-ce qu'on doit jeûner ou il est interdit de jeûner? C'est un jour de fête, donc il est interdit de jeûner. Mais en fait, il y a un hadith qui nous dit, dans lequel le hadith de Abi Qatada, qui est pratiquement notoire d'après Qatada et qui est très authentique de Qatada, qui nous dit que celui qui jeûne, Allah Ta'ala lui pardonne une année de péché. Mais c'est le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam. En vérité, personne n'était assis avec Moussa ou bien était avec Moussa. Il a survécu jusqu'à l'époque de Nabi Sassan pour nous livrer ce témoignage. Et là, on tombe dans les problèmes des sources. L'histoire de Ashura, est-ce qu'on jeûne ou on ne jeûne pas? Car je pense que ça préoccupe certaines personnes. Ashura est un jour de deuil. Ashura, dans Ashura, Allah n'a jamais sauvé Moussa alayhi salatu salam le jour de Ashura, car il n'y a tout simplement aucun verset ni un hadith qui parle de ça. Mais vous allez me dire, il y a le hadith de Muslim, etc., qui est rapporté par Abi Ghatafan al-Murri d'après Abdullah ibn Abbas, que c'était le jour dans lequel Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salatu salam. En fait, il y a une grande histoire à savoir avant de rentrer dans ce petit détail. Je vais résumer ça car je pense qu'on a vu ce sujet, je crois, dans un cours de hadith, je ne sais pas. Bref, pour partager ça, en fait, Ashura, chez les chiites, les anciens, sans divergence connue, on le jeûne. Chez les chiites qui pensent être plus intelligents que les anciens, on ne le jeûne pas. Car ils se sont rendus compte que, par ignorance, que jeûner, ça veut dire fêter, car ils ont trouvé dans les sources du chiite l'histoire de Moussa alayhi salam et Pharaon, Allah a sauvé, etc. Donc ils ont dit, voilà, c'est Banu Umayya qui ont inventé ce jeûne-là, donc nous, on ne le jeûne pas. Pratiquement, il n'y a aucune divergence entre les chiites anciens que le jour de Ashura, c'est un jour de jeûne. Il n'y a pas de divergence sur ce point. Ceux qui sont venus plus tard, ils se sont rendus compte, ils ont dit, peut-être c'était Banu Umayya, c'est devenu une idéologie. Puis certains malheureux sunnites prennent et avalent tout ce qu'ils trouvent sur Internet avec le cheikh Google. Mais quand vous lisez les hadiths quand même,
comme je peux vous assurer qu'avec 50% des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours, avec, d'après mes constatations, je peux vous assurer qu'environ 50% des hadiths authentiques, authentifiés de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a ce genre de problème que je vais aborder. C'est que dans ces hadiths, en conclusion, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jeûné lorsqu'il est arrivé à Médine. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé le jeûne de Ashura en fait à Mecca. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé le jeûne le jour de Khaybar. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé le jeûne lorsqu'il a appris que c'était le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un élève des juifs, car les juifs, c'est les juifs qui ont enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette information. Quand Nabi il arrive, il ne connaît pas, c'est quelqu'un d'ordinaire, il se dit, il prétend qu'il est messager, mais c'est un messager qu'il ne connaît pas. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Ou bien qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh, Rasulallah, c'est le jour où c'est les juifs, ils jeûnent, c'est le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam. Ah, Nabi là, il se réveille. Donc on n'est pas face avec un prophète, on est avec quelqu'un d'ordinaire. Ou je ne sais pas, le texte, il nous parle d'un escroc, quelque, tout ça. Ah, c'est vrai. Donc nous, on va aussi faire comme, mieux qu'eux, ou je ne sais pas, comme eux, pour montrer que voilà, nous aussi, on est des collègues des religions, c'est une religion céleste comme vous, etc. Donc là, on ne parle plus de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle plus de quelqu'un qui reçoit, je veux dire, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps. Qui a une relation avec son Seigneur tout le temps. Donc on parle plus, on parle de quelqu'un qui vient de découvrir des choses à Médine auprès des Juifs. Donc il apprend auprès des Juifs, il a un cheikh juif. Et donc les hadiths, est-ce que le prophète a jeûné à Mecca? Est-ce que le prophète a jeûné au début de Médina? Est-ce que le Nabi sallam a jeûné à Khaybar? Est-ce que le Nabi sallam a appris avec les juifs ces informations? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi le Nabi sallam n'a pas pu jeûner l'année suivante, un jour avant? Si c'était au début de Médina ou pendant Al-Médina, il avait une dizaine d'années, pourquoi il n'a pas jeûné? Il aurait dit, si Allah Ta'ala me prolonge la vie, je jeûnerai incha'Allah Ta'ala un jour avant. Mais le Nabi sallam, il a vécu 9 ans après. Si on dit Khaybar, 4 ans après. Donc Allah Ta'ala a bien prolongé la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir jeûner ce jour-là. Mais donc pourquoi il a pas... Mais il est mort entre-temps. Mais il faut qu'on comprenne, est-ce qu'il est mort 10 ans après l'immigration ou bien une année après l'immigration? Donc tout ce que vous rapportez comme Qur'an est faux. Ça n'a jamais existé ce Qur'an qui est venu après la première année. Alors, il faut comprendre. Et donc, si vous constatez, donc tout ce que j'ai dit, ce sont les textes. Et tous ces textes-là se trouvent dans le Bukhari et Muslim. Donc, de la priorité, se trouvent dans Sunan, etc. Maintenant, je vous ai dit que ce genre de problème, je le constate dans 50% des hadiths dits authentiques. 50%. Donc, imaginez, à chaque fois que vous connaissez un hadith, je peux vous assurer que 50%, c'est un hadith problématique, comme ce genre de hadith. Pour quelle raison? On revient au début. Ya muslimoun, ô musulmans, réveillez-vous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous a dit, si ça vous intéresse, que l'islam va être falsifié, ou les sources vont être falsifiées par cette famille de Bani Umayya. Réveillez-vous. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas changer l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on revienne à la période ante-Bani Umayya pour reprendre nos sources et mettre Bani Umayya de côté et pour être en faveur ou bien pour Ahl al-Bayt de l'époque de Bani Umayya, l'époque où on devait choisir entre Ahl al-Bayt et Nabi nous a pas dit suivez Ahl al-Bayt jusqu'à la fin des temps. Ça n'a aucun sens et ça n'a jamais existé, ça n'a aucun sens. Et on ne voit pas des Ahl al-Bayt déjà. Bref, on ne rentre pas dans ce débat-là. Donc, le jour où vous devez choisir entre le Coran et le régime, le jour où le Coran et le régime vont se séparer, là, vous devez choisir Ahl al-Bayt. Nous, on n'a pas choisi. Aujourd'hui, je pense, si on veut vraiment dire Ya Rasulallah, on se trompe, Ya Rasulallah, on revient vers toi pour que tu sois notre intermédiaire dans la Tawbah, ou bien on revient vers Allah Ta'ala directement, il faut qu'on revienne avant la période de Bani Umayya pour reprendre nos sources et relire les sources, tout ce que les gens ont inventé, etc. On le met de côté.
On revient à notre hadith de Ashura. En vérité, ce hadith a été rapporté d'une manière notoire. L'authenticité de Ashura, c'est comme l'authenticité du Coran. L'authenticité du jeûne de Ashura, c'est comme l'authenticité du Coran. Dans le sens que le hadith a été rapporté par des chaînes de transmission authentiques. Sauf que, si on veut établir une liste de compagnons, on va trouver que tous les compagnons anciens, Muhajiroun, Ibn Mas'ud, Ibn Omar, Aisha, Ali, comme rapporte Abu Ishaq al-Sabi'i d'après Harith al-Awar d'après Ali, Irak d'après Urwa d'après Aisha, Ubaydullah Ibn Omar d'après Nafi' d'après Ibn Omar, ces compagnons-là nous rapportent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Ashura à Mecca. Ceux qui ont vécu nous livrent un témoignage. Le prophète jeûnait à Mecca. Et puis d'autres compagnons qui, donc il y en a qui n'ont pas entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils rapportent direct d'après le Nabi, mais ils rapportent par l'archouyour des compagnons comme eux, comme 90% des cas des hadiths rapportés. Donc ils rapportent un peu dans le sens. Après, il y a d'autres compagnons qui ont entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont rapporté juste la conclusion que le prophète jeûnait. Ils nous ont pas précisé. Après, on trouve, donc on est toujours dans les 9 livres de sunnah, les 9 recueils du hadith. Et puis, il y a des compagnons qui nous disent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jeûné à Madine. Ils sont deux. Le premier, c'est Abu Moussa al-Ash'ari. Et le deuxième, c'est Abdullah ibn Abbas. J'aimerais bien, concentrez-vous avec moi. Donc, on a les anciens qui nous disent à Mecca. D'autres compagnons qui nous parlent juste de jeûner, sans précision. Donc, ça pose aucun problème. Donc, on a les anciens témoignent que c'était à Mecca. D'autres compagnons nous disent juste qu'il y avait un jeûne, sans précision. Après, deux compagnons nous disent qu'An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a jeûné à Madine. Sauf que Abu Moussa al-Ash'ari, pour comprendre, comme il rapporte d'après lui Tariq ibn Shihab, en quel moment Abu Moussa al-Ash'ari a embrassé l'islam? Donc tout simplement, on connaît que c'était suite à la da'wa que, comment il s'appelle, Tufayl ibn Amr al-Azdi radiallahu anhu avait fait au Yémen et ils ont embrassé l'islam. Il est venu avec 70 ou 80 selon les versions nouveaux compagnons, mais on peut pas dire que c'était 80-70, mais beaucoup de compagnons des nouveaux musulmans, ils sont arrivés pendant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam rentrait de Khaybar. On venait de terminer à Khaybar. On était encore à la fin de Khaybar. Et là, Abu Moussa, qu'est-ce qu'il dit? On est arrivé. On avait vu les Juifs. On a vu les Juifs jeûner et le prophète jeûner. Donc, il ne nous a jamais dit que le prophète a commencé le jeûne à Médine. Donc, déjà, il ne peut pas livrer cette information car il n'était pas présent. Il vient d'arriver. Donc, il ne peut pas dire ce que le prophète faisait avant. Donc, il nous dit, j'ai vu le prophète jeûner. J'ai vu les Juifs jeûner. L'histoire, ça s'arrête là. Premier compagnon. Les musulmans, les chouïrs, malheureusement, n'ont pas compris. Ils ont dit, mais il faut... Naam, il a dit ça, mais quand on prend en compte le hadith de Ibn Abdullah ibn Abbas, donc on comprend qu'il y a deux compagnons qui livrent un témoignage pareil. Non, ce n'est pas pareil. Lui, il dit, j'ai vu le prophète et les juifs jeûner. Point final. Il vient Ibn Abbas, et ce hadith se trouve dans l'authentique toujours, d'après Abil Abbas, Abil Ratafan al-Muri, d'après Ibn Abbas, il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Madine, il a vu les Juifs jeûner, il leur a dit pourquoi vous jeûnez ou je ne sais pas. Au final, on lui a dit, ya Muhammad, tu ne connais pas, c'est le jour où Allah Ta'ala a sauvé Moussa alayhi wa sallam. Le Nabi, il était étonné comme ça, il a pris une nouvelle information par son cheikh le Juif. C'est ça ce que les textes nous disent. Et, barakallah, nous aussi on va jeûner, nous on est meilleurs, et Inch'Allah, si Allah Ta'ala me prolonge la vie, je jeûnerai l'année prochaine, un jour avant, pour nous différencier des Juifs. Ya Rasulallah, tu viens d'arriver à Madine. Et tu as vécu 10 ans plus tard. Tu étais encore vivant.
Ya Rasulallah, genre, on sait que tu ne peux pas dire ça. Mais juste, on t'a attribué cette parole qui n'est pas véridique. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Abu Atafa al-Murri, c'est un inconnu déjà faible. C'est beaucoup de monde. Et il est inconnu dans la vie prépondérante si on fait des analyses. Bref, on ne reste pas dans ça, avec le transmetteur. Est-ce que Ibn Abbas a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que Ibn Abbas existait dans cette époque? Ibn Abbas n'existait pas dans cette époque. Il était à Mecca, il avait 2 ans. Il était à Mecca, il avait 2 ans. Donc Ibn Abbas n'était pas là. Ibn Abbas n'a pas entendu. Ibn Abbas n'a rien vu. Moi, j'aimerais bien savoir la source de Ibn Abbas. Lorsque j'ai établi la liste de tous ceux qui rapportent le hadith, tout simplement, ils sont tous d'accord sur le hadith, sauf que les anciens nous ont rajouté ce qu'ils ont vu, que le prophète jeûnait à Mecca. On a Abu Moussa qui nous dit qu'il a vu le prophète jeûner avec les à Khaybar. Khaybar, c'est une terre juive, donc il a vu les juifs et le prophète jeûner. Donc, Ibn Abbas était l'un des élèves de Abu Moussa al-Ash'ari, comme les élèves des autres. Donc, quand j'établis la liste, je me dis, s'il a bien dit Ibn Abbas cette parole, s'il a bien dit, je suppose que Ibn Abbas l'a pris a fait une conclusion en se basant sur la parole de Abu Moussa al-Ash'ari. C'est comme dans le hadith, par exemple, que vous connaissez tous, que celui qui change de sa religion, tuez-le, ou je ne sais pas, même baddal ad-din asafaqtulou. C'est un hadith qui n'a jamais été prononcé par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, juste la conclusion, la résumé du hadith d'Ibn Abbas, de Aïcha, de ceux qui rapportent ce hadith qui sont connus. Il a fait un résumé de ce hadith-là. Sinon, le Nabi n'a jamais dit cette parole, n'a jamais ce que Ibn Abbas a compris. Comme Jabir ibn Abdullah, comme il rapporte d'après lui Mohammed ibn Mukadir, d'après Jabir, il a mangé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le Nabi il a mangé de la viande, et après avoir mangé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prière. Il a fait la prière, et puis il dit, il restait un peu, il y avait du reste comme ça, et puis après la prière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mangé. Et quand l'heure de la deuxième prière est arrivée, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait? Les ablutions. Donc quand on revient à la formule exacte. Et après on trouve que les autres élèves de Jabir disent que Jabir ibn Abdullah a dit les ablutions suite à la consommation de la viande cuite est abrogée. Bien le statut des ablutions est abrogé. C'est quoi qui est abrogé? Juste, il était assis avec le Nabi, il a mangé, puis il a prié, et puis il a remangé, il a refait ses ablutions. Qui t'a dit qu'il est... Ça se trouve, il a perdu ses ablutions, ça se trouve, il voulait renouveler les ablutions. Elle est où l'abrogation? L'abrogation en 2 secondes. Ce n'est pas vous, les savants de l'Ossof, vous nous dites qu'il faut minimum un temps de mettre en pratique le statut pour qu'il soit abrogé? Ou un temps sur certains extrémistes parmi les savants de l'Ossol sur ce point-là, ils disent au moins un temps de croire, croire à ça, de faire entrer ça dans le cœur. Et puis, non, Nabil était en train de manger, lui, directement. Il a prié, puis il a remangé, puis il a fait des ablutions. Donc, quel est le sens de l'abrogation? Vous nous dites l'islam. Masha'Allah, c'est une grande religion. Là, parmi la grandeur, c'est l'abrogation, l'évolution des textes pour faciliter. Quelle est la facilité? Il a mangé, puis il a pris, puis il a remangé, il a refait les ablutions. Est-ce qu'il a donné le temps à la Oumma pour profiter de cette facilité? Ou je ne sais pas. Et donc, on revient à cette histoire, c'est tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, généralement, c'est à cause de nous. Nabi nous a dit, voilà la solution, nous on a préféré M. Yazid et M. Marwan ibn al-Hakam et compagnie. Bismillah. Et donc, Ibn Abbas résume, est-ce que c'est lui ou c'est son élève ou je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas trop. Ceux qui ont vu témoignent que Nabi a jeûné à Mecca. Déjà, ça démontre le fait que Nabi a commencé le jeûne à Madine. Et ça démontre l'histoire que Nabi a appris au prix des Juifs. Ça démontre ça, et ça me suffit. Mais, pour expliquer mieux, c'est que cette histoire
est venu par ce transmetteur-là. Et ce transmetteur, déjà en lui, n'est pas fiable. Et en plus, Saïd ibn Jubayr, ibn Abi Yazid, al-Hakam al-A'raj, etc., Mujahid nous rapporte qu'en vérité, Ibn Abbas donnait une fatwa et il disait « Faites différemment que les juifs et jeûnez un jour avant Ashura. » C'était une fatwa, il nous rapporte ça comme une fatwa de Ibn Abbas. Et puis Abu Atafan al-Murri et le récit, l'histoire de Moussa alayhi salam, il dit « Si Inch'Allah, Allah me permet, Inch'Allah, je jeûnerai un jour avant. » Donc ce n'est pas une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Selon les élèves de Abdullah ibn Abbas, c'est juste une fatwa de Ibn Abbas. Il vient à Abu Ghatafan al-Murri, puis il nous transmet une chaîne faible, perturbée, nous dit que c'était la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc en conclusion, le Nabi a commencé le jeûne à Mecca. En conclusion, le hadith du jeûne est notoire. En conclusion, Ibn Mas'ud n'a rapporté que ce qu'il a vu. En conclusion, Ibn Abbas n'a jamais entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas a déduit et s'est fait une idée suite à la parole de Abu Moussa al-Ash'ari. En conclusion, la position d'Ibn Abbas, on suppose qu'il a bien dit, est démontrée par le témoignage de tous les compagnons qui rapportent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé le jeûne depuis de Ashura. À Mecca. Après, il y a un autre hadith attribué à Ibn Abbas qui est dans l'authentique de Bukhari. Le hadith il est très connu. Et qui nous dit Ma ra'aytu Rasulullah, c'est-à-dire, jamais vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûner des jours comme il jeûnait le jour de Ashura. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe au sein de la Ummah ou pas? Je pense que ça ne vous choque pas plus que ça. En quel moment Ibn Abbas a pu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûner ou manger ou dormir? Quand il est mort, Nabi sallam, Ibn Abbas, il avait 13 ans. Il avait 13 ans. En quel moment il a fréquenté Nabi sallam? En quel moment? Il a dit, je commençais à savoir faire la différence entre le khair et le bien que le jour du pèlerinage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce moment-là, cette année, je commençais à savoir connaître des choses. Et Nabi, il est mort quelques mois plus tard. Donc, en quel moment Ibn Abbas a fréquenté Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous dise que Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûnait régulièrement à Ashura. Donc, ce n'est pas Ibn Abbas qui a dit ça. Juste des transmetteurs jugés fiables qui ont dit ça. Mais malheureusement, heureusement qu'en islam, on a un patrimoine rapporté par des millions de personnes. Donc on a quoi utiliser pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc la conclusion, c'est ça. Et que Ashura, c'est un jour de deuil. Allah n'a sauvé personne le jour de Ashura. Peut-être Allah a sauvé, mais selon les textes, n'a sauvé personne. Le jour de Ashura, on a assassiné Al-Hussein. Le jour de Ashura, on a assassiné le symbole des paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. L'histoire. Comme on a assassiné avant lui son frère Al-Hassan. Son frère, il délaisse le pouvoir et la gouvernance. Il dit, prenez votre pouvoir. On lui propose tout ça. Ce qu'il veut comme demande tout ça, il leur dit, moi je m'en fiche, si vous me donnez cette somme d'argent, c'est pour les fuqara, al-masakin, etc. Qal, on lui a donné un chèque blanc, c'est-à-dire, yeah, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, etc. Qal, falam, on lui a rien donné. Rentre chez toi, ya Hassan. Et puis quelques jours, il est mort empoisonné. Si vous avez du mal à comprendre l'histoire, c'est facile. Vous rédigez ces récits-là, vous allez voir, vous allez au tribunal, à Paris ou je ne sais pas où, à Ivry, vous allez voir un juge, vous lui dites, monsieur le juge, si tu as le temps, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah te récompense, ton avis sur tout ça. Et je pense que peut-être debout sur place, il va te dire, tu n'as pas encore compris l'histoire. Bien sûr, on veut fermer la bouche de l'Hassan et on ne veut pas plus de problèmes ou plus je ne sais pas quoi. On l'a assassiné. Après, on a dit c'est Ja'da, une femme, Bint Qais, qui l'a assassiné. Mais la pauvre, même si elle qui a assassiné une femme
inconnu vient assassiner le fils de Nabi Sassam gratuitement comme ça. C'est comme on dit, le président a été assassiné par qui? En fait, par, je ne sais pas, un agriculteur qui vit, qui est dans le, je ne sais pas, dans le nulle part. Il n'avait rien à faire dans sa vie, il voit, il prend les risques, tout ça, il prend une ceinture et il se fait exploser. Et il faut être logique. Il y a quelqu'un derrière. Comment on a assassiné, beaucoup de monde. Donc c'est ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Je voudrais savoir, cher, votre opinion sur Qissatul Madira, la fameuse soupe. Il y a un monsieur qui est connu, rapporteur de hadith, qui faisait salat derrière Amir al-Mu'minin et qui allait chez le deuxième pour manger la soupe, le Madira. Et 67% du Sahih Muslim, il est rapporté selon lui et 28% du Bukhari. Par rapport à ce que vous parliez, par rapport aux falsifications. 60, j'ai pas compris. 67% du Sahih Muslim, ils ont fait les statistiques, et 28 du Bukhari. J'ai pas compris 60 et 28, le rapport. Celui qui rapporte les hadiths. Allez, j'ai pas voulu donner son nom. Ah, les hadiths, donc c'est un transmetteur qui rapporte combien? 67% du Muslim et 28% du Bukhari. Ma'rouf, Qissat. Oui. Je voulais savoir votre opinion par rapport à cette histoire, parce que peut-être que je me trompe, mais moi je pense qu'elle est importante par rapport à ce qui se passe, ce que vous racontiez au départ, par rapport à la gouvernance, le califat et la royauté. Et c'est qui ce, tout ça déjà, pour... Abu Huraira. Je pense que c'était pas ambigu pour personne. Oui. Sincèrement, sans rentrer dans le détail, tous ces rapports, ces hadiths que je vous ai rapportés aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qui les rapporte? Non, les hadiths depuis tout à l'heure que je parle de Banu Umayya. Qui rapporte? Non, non, le transmetteur, le compagnon. Qui? Abu Huraira. Je préfère pas rentrer dans le détail car on a... Non, c'est pas question alpique. Mais sincèrement, si on parle avec objectivité sur le cas de Abu Huraira, comment Abu Huraira, il est le seul qui rapporte tous les hadiths qui critiquent, qui maudissent, qui rejettent la politique et les Bani Umayya. Comment on peut accuser cet homme? Moi, j'aimerais bien, avec objectivité, tu as trouvé un ou deux exemples, etc., ou je ne sais pas. Mais, honnêtement, si il n'y a que Abu Huraira qui rapportait ces hadiths-là, et généralement ces hadiths-là, Inch'Allah, on va voir ça en science du hadith, sont rapportés par des élèves et des transmetteurs de Abu Huraira qui sont un peu particuliers. Qu'est-ce que Abu Huraira disait? Que si je rapporte, et le hadith est dans le Bukhari, le hadith, si je rapporte tout ce que j'ai appris de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils vont me faire? M'égorger le sens de ce hadith. Et puis il vient malheureusement Sophia et nous disent, en fait, il avait assir le secret, là, tout, etc. C'est vraiment une chanson qui nécessite de danser, tout simplement. On n'est plus dans la science ni dans les textes. Bref, et puis plus tard, Abu Huraira les a rapportés. Moi, je pense que j'ai un grand respect pour Abu Huraira, malgré qu'en science du hadith, les salafs ont divergé si il est fiable dans le hadith ou pas, ou je ne sais pas. Mais quand même, sans rentrer dans le détail. On va manger, Inch'Allah.